Aujourd'hui, le 21 décembre 2020, jour du solstice d'hiver, jour aussi de la conjoncture de Jupiter et de Saturne. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements qui se ressentent à l'extérieur dans la matière. Donc c'est vraiment le moment idéal pour rester intègre dans son cœur. Et une petite méditation, c'est parfait pour ça. Alors, on va frotter ses mains, on ramène l'énergie dans les mains. Et on va pouvoir déposer une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et on va rester connecté à sa respiration. Au mouvement du ventre, au mouvement de la cage. On va ressentir les battements du cœur sous la main, ou peut-être des pulsations dans n'importe quelle autre zone du corps. On écoute sa propre musique interne. Cette douce musique qui nous appartient. On va ressentir l'air qui pénètre dans les narines. On va l'imaginer descendre jusque dans nos orteils. Et cet air rempli de particules de lumière va inonder nos pieds, remplir nos jambes, remplir notre bassin, tout notre buste, puis couler dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Et enfin remplir notre tête. Notre corps inondé de lumière transpire la lumière, déborde de lumière. Et cela impacte notre entourage. Nous rayonnons et nous éclairons autour de nous. Et tandis que nos inspires nous permettaient cela, nos expires nous permettaient de nous alléger. De nous défaire. De ce dont on n'a plus besoin, des anciens schémas. Imaginez deux mains de lumière posées sur vos épaules. Ces deux mains, posez-la, vous réconforte et vous apaise. C'est comme si une présence vous réconfortait et vous insufflait aussi la bonne musique, l'harmonie. Vous guidait peut-être dans vos choix. Comme un ange ou un être de lumière qui serait là rien que pour vous. Vous enverrez des signes.
Vous sentez cette présence. Qui va vous aider aussi à surmonter et ramener l'harmonie dans ces temps apparemment chaotiques. Vous suivez toujours vos inspires, vos expires. Et le rythme du cœur en cohérence. Et de vous connecter comme ça en profondeur à vous-même vous permet d'acquérir encore plus de confiance, plus d'assurance, plus de calme, bien sûr. Et c'est en toute tranquillité que vous allez pouvoir poursuivre votre vie. Le cœur lumineux. Toujours plus en expansion à chaque inspiration. Si vous pratiquez cela, si vous croyez en cela, alors moi, je crois que l'humanité s'en portera mieux. Alors, si vous mettez ça en place, ayez de la gratitude. Remerciez-vous. Remerciez-vous de passer à l'acte. Cet acte tout simple, d'introspection, de retour à soi, mais qui, j'en suis sûre, a des effets magiques et ultra bénéfiques. Vous pouvez joindre les mains, sentir cet équilibre que vous installez par ce simple mouvement de main, l'une pressée contre l'autre, l'amour de la main droite et l'amour de la main gauche. Namasté.